toujours dans le cadre de réalisation des bûches classiques. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment on réalise une bûche à la chantilly. Alors, on a déjà vu donc crème au beurre. Là, on va voir à base de chantilly. On aura besoin d'un biscuit de Savoie. Toujours revenir à nos vidéos, vous allez retrouver la recette biscuit de Savoie, comment on le réalise, ou vous pouvez également utiliser biscuit génoise. C'est-à-dire, vous réalisez la génoise, vous l'étalez sous forme de biscuit. Alors, un sirop à 30, même quantité sucre, même quantité eau, que vous portez à ébullition, vous rajoutez l'arôme, soit zeste de citron, d'orange, ou tout simplement de la vanille. Je vais imbiber notre biscuit. Alors, deuxième étape, vous mettez votre crème chantilly. Et vous étalez. Alors à ce niveau-là, alors pour vos bûches, vous pouvez rajouter des fraises coupées en petits dés. Vous pouvez rajouter également avec la chantilly des abricots au sirop coupés en petits dés. Des poires également caramélisées ou tout simplement des poires au sirop coupées en petits dés. Comme vous pouvez laisser, bien sûr, juste de la chantilly pour les enfants. Alors moi, je vais laisser ma bûche nature, biscuit et chantilly à l'ancienne. Alors vous roulez. Alors vous roulez votre biscuit. Bien sûr, selon la taille de vos bûches de Noël, vous découpez la dimension désirée. Alors, je mets la première comme ça et la deuxième. De façon à avoir deux bûches. Alors là, pour ce niveau-là, ce sont juste des biscuits roulés à la chantilly. Alors à l'aide d'une petite poche avec douille cannelée, on va commencer à réaliser nos bûches. Préparer des petits motifs avec du chocolat pour faire justement les facettes. Thank you.
glace. Pour donner l'effet de neige, et là, je vous présente les deux bûches version crème chantilly. Et à la prochaine émission. Merci pour votre attention.